Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous partage le contenu de ma Birchbox, donc du mois de avril que j'ai fraîchement reçu. Je vous tourne cette vidéo un peu à la bonne franquette. Je vais pas vous mentir, j'ai la flemme de sortir l'appareil photo, tout ça dans mon bureau, puisque bah, comme vous savez, j'ai recommencé les décalés. Donc je suis complètement décalée. Il va falloir un peu de temps pour que mon corps se réhabitue à ces horaires un peu étranges. Mais bon, c'est pas très grave, hein. C'est cool comme ça, c'est cool. Donc, j'ai passé aussi une petite commande avec mes points, parce que j'ai encore pas mal de points. Et vous savez, au bout d'un moment, ils arrivent à expiration. Donc, du coup, j'essaie de les consommer au fur et à mesure. Donc, je vous montrerai ça après. Donc, à l'époque, on gagnait des points en remplissant, vous savez, tous les mois, il y avait des questionnaires sur les produits. Ils ont arrêté d'ailleurs, c'est dommage. Et maintenant, c'est en parrainant. Donc, la marraine donc, a 5 points, enfin 5, 50, 50 points, donc 5 euros d'achat. Et la filiale a la même chose, 50 points, donc 5 euros d'achat sur l'eShop, donc c'est plutôt cool. Surtout que quand on fait livrer avec la Birchbox du mois, du coup, on n'a pas de frais de port. Donc c'est sympa. Donc ce mois-ci, en fait, elle est toute mignonne, comme ça, avec plein de petits cœurs. Donc c'est une box tiroir. Donc moi, comme je vous disais, à l'époque, je l'ai donnée à l'école maternelle de mon fils. Maintenant, il est en primaire, donc je ne pense pas que la maîtresse en ait l'utilité. Je ne sais pas si je vais la garder, mais au pire des cas, je les mets de côté, parce que je sais qu'elles intéressent certaines d'entre vous. Alors, on va suivre le petit menu. Donc, ce mois-ci, alors, si je ne prends pas le menu dans le bon sens, déjà, on est mal barré, je vous le dis. Alors, tout d'abord, on a reçu ceci. Donc, c'est une petite éponge qui... Alors, il marque petite éponge pour avoir une peau douce et propre. Utilisez-la sous la douche et elle se charge de nettoyer le corps délicatement et efficacement sans utiliser d'eau ou de savon. Enfin, sans utiliser beaucoup, pardon, d'eau ou de savon. Donc, bah, je me dis que ça peut être pas mal. Après, apparemment, il y a marqué scrubber, donc je pense que c'est un peu exfoliant. Donc, c'est une petite éponge comme ça. Par contre, c'est pour le corps. Hein, donc, ne l'utilisez pas sur le visage. C'est bien pour le corps. Et cette petite éponge est vendue 10,63 €. Donc, bah, je me dis pourquoi pas. L'occasion de, bah, de découvrir ce que je connaissais pas du tout. Je connaissais les éponges un peu, vous savez, Conjac pour le visage, mais je connaissais pas du tout pour le corps. Donc, à tester. Ensuite, j'ai reçu un produit de la marque Aven, donc je suis contente puisque moi, les produits de la marque Aven, j'aime beaucoup. C'est une petite miniature comme ceci, donc de 15 millilitres, mais ça suffit pour découvrir. Donc, c'est la hydrance optimale, donc c'est la, comment dire, c'est la texture légère et en plus, il y a un effet bonne mine apparemment dedans pour peau, je vais y arriver. Pour peau sensible normale à mixte, donc ça me correspond parfaitement. Et apparemment, ouais, ils disent hydratant, perfecteur de teint. Donc pourquoi pas. En plus, il y a un SPF de 30 à l'intérieur. Moi, la marque Aven, j'aime beaucoup. Et le type de format comme ça, j'aime beaucoup pour découvrir. Donc très contente. Ensuite, de la marque Love of Color, on a reçu un crayon jumbo comme ça pour les yeux. Qui est vendu sur l'eShop à 8,93 €, ce qui était bien ce mois-ci. C'est qu'on pouvait choisir la teinte. Donc il y en avait trois. Il y avait la Heavy Pétale, la Peachy Sheen et la Haute Cocoa. Donc moi j'ai choisi, je crois, la Haute Cocoa. Je vais vérifier, mais j'ai dû choisir celle-ci un peu dans les teintes marronnées. Ouais, c'est ça. Marronnées un peu cuivrées comme ça. Donc ça c'est cool quand ils nous permettent de choisir la couleur. Oula, ils le font assez régulièrement. La couleur elle a l'air vraiment super sympa. Moi c'est le type de couleur que j'aime beaucoup. Voilà, vous voyez, c'est un marron un petit peu pailleté, très très chouette. Il reflète bien la lumière et tout, donc je me dis que ça le matin, notamment quand je suis pressée ou que je me réveille comme ce matin à 5h30, hop, un petit coup de crayon, on estompe et le tour est joué. Et comme je vous dis, j'aime beaucoup quand ils nous permettent de choisir la teinte parce que bah, selon nos envies, on n'a pas forcément envie de la même chose. Donc en fait, il y avait une teinte, vous voyez, un peu champagne, une teinte un peu rosée et donc la teinte un peu marronnée que j'ai pris. Ensuite, de la marque Hip, donc c'est un shampoing détox. Les 200 ml sont vendus 16,58 € et là on a 30 ml. Donc c'est un shampoing qui est assez. Pas bio. Ouais, si, peut-être bio d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est marqué Made in France. C'est pas marqué, mais il me semble que c'est une marque qui est assez clean. À base d'huile essentielle, détoxifiante de citron, d'eucalyptus, je ne vais pas y arriver, et de cèdre de Virginie. Après, j'avais déjà testé un shampoing de la marque Ips, c'était le vert, je crois, et que j'avais pas trop aimé, donc je ne sais pas si je vais le tester ou le mettre de côté. Je sais que certaines d'entre vous aiment beaucoup, moi je ne suis pas fan, je le mettrai peut-être de côté pour un concours. Et pour finir, ça, je suis très contente, puisque je vous en avais parlé dans ma vidéo 1001 pharmacies, je vous remettrai le lien en barre d'infos, puisque c'est un produit de la marque Polar.
Donc les 75 ml valent 22,53 € et là on doit avoir 15 ml je pense. 25 ml. Donc c'est un gommage tendre, oh là là. C'est un gommage tendre au coton arctique. Donc un gommage, je suis très contente pour le visage. Et en plus, voilà, la marque Polar, j'ai fait vraiment de très très belles découvertes. En ce moment, j'ai plus de gommage à utiliser quotidiennement sous la douche. Je me dis que ça peut être pas mal. Ils disent qu'ils débarrassent la peau des impuretés accumulées tout au long de la journée, ainsi que les cellules mortes qui ternissent le teint. Donc je suis vraiment très contente d'avoir reçu ce produit-là. Donc franchement, ce mois-ci, je suis très contente de la box. Je vous dirais, le produit que j'aime le moins, entre guillemets, c'est celui-ci parce que j'avais déjà testé celui de la couleur verte et j'avais pas trop aimé. Mais le jumbo pour les yeux parfait. Le produit Polar, donc le gommage visage parfait. La crème Avène, je vais la tester aussi avec grand plaisir. Et puis bah, l'éponge pour le corps, je trouve ça plutôt sympa. Je connaissais pas, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous connaissiez, mais moi je connaissais pas du tout. Je connaissais les gants de crin, les fleurs de douche, mais pas du tout ce style d'éponge qui a l'air quand même assez douce pourtant. Donc je vous en reparlerai. Et du coup, ce mois-ci, j'ai utilisé 200 points, donc ce qui équivaut à 20 euros. Du coup, j'en ai pour 1,40 € un truc comme ça de ma poche. Ah oui, j'ai eu ça aussi en cadeau. Donc ça, c'est grâce à Laetitia. Donc je pense que tu vas passer par là, puisque apparemment tu as utilisé mon lien de parrainage donc pour le mois de mars. Donc normalement, pareil, tu as dû avoir 10 euros de bon d'achat. Tu me confirmeras ça en commentaire. Et du coup, moi, j'ai eu 10 euros donc de bon d'achat. Et j'ai eu cette planche aussi de pins. Donc très très jolie. Donc je crois que la valeur, il disait 18 euros. Bon, ça me paraît un peu cher, 18 euros. Enfin, je ne sais pas trop pour 6 pins, vous me direz, ça vaut peut-être le coup. Donc vous avez un espèce de cornet de glace, de cœur, une feuille. Ici, il y a une bulle avec marqué hey, un rouge à lèvres et puis un cactus. Ça, autant te dire que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plaire à ma fille qui est tombée dans une folie des pins. Donc, bah, j'étais contente de pouvoir lui choisir ça. Là, elle n'est pas là, elle découvrira ça tout à l'heure. Donc, tout d'abord, en gros truc, je me suis pris une bougie Mr. Wonderful. Donc, moi, j'avais eu l'occasion d'en gagner une sur un concours organisé par Alex de la chaîne Girly Alex 83, je crois que c'est exactement son pseudo. Et c'est une bougie à la barbe à papa, j'ai pas osé la brûler, mais quand je retire le capuchon, elle sent déjà extrêmement bon. Et là, sur le site de Birchbox, il y avait celle-ci. Donc il y a marqué dans cette maison, tous les rêves sont beaux, Mr. Wonderful, Happy Fruits. Donc voilà, j'étais bah, contente de pouvoir l'avoir entre guillemets gratuitement. Parce que je vous dis, le total de la commande, ça devait faire 21,47 €, je crois. Et du coup, bah, j'ai payé que les 1,47 €. Je crois que la bougie, normalement, elle est aux alentours des 14,50 €. Après, c'est un gros format, mais elles sont trop bon. Elle a embaumé tout le carton. J'ai eu peur en plus parce que j'entendais que ça glinguait dans le carton, mais non, en fait, ça glinguait juste ça, mais elle n'est pas cassée. Franchement, trop trop belle avec son couvercle comme ça, doré en ferraille. Et elle sent super bon le fruit, quoi. Alors elle, je pense que même ouverte, elle embaume, hein, sans problème. Mais je sais pas si je la brûlerai. Enfin, il faudrait que je le fasse, hein. Le but d'une bougie, c'est de la faire brûler. Mais sincèrement, celle que j'ai à la barbe à papa dans mon bureau, il suffit que je retire le couvercle et elle embaume. Donc je suis vraiment très contente et franchement, je la trouve vraiment très jolie. Donc j'ai pris ça. Ensuite, attendez, je vais tout sortir, ce sera plus simple. Ensuite, j'avais bien envie, oh, je vais pas y arriver, j'avais bien envie de tester la crème pour les mains de la marque Merci Andy. Vous savez, ils ont sorti plein de nouvelles crèmes pour les mains. J'ai pas eu l'occasion de les tester, donc j'avais bien envie. Et puis, bah, c'était l'occasion. Je crois que sur le site, elle était aux alentours des 4,50 €, il me semble. Et j'ai pris la New Wave. Donc, j'ai essayé de suivre par rapport au parfum qu'il décrivait. Et je crois que celle-ci, c'était une odeur gourmande et sucrée, quelque chose comme ça. Donc, moi, c'est ce que je préfère. J'aime beaucoup aussi qu'on reçoit la commande comme ça, dans un petit sac en papier. Je trouve ça toujours trop chouette. Et ce qui est bien en plus, c'est que quand on commande des produits comme ça, du coup, on est livré en Colissimo. Donc, du coup, on peut suivre le colis. Ça, c'est cool aussi. Et au niveau de l'odeur, oui, c'est vraiment une odeur sucrée, gourmande. Oui, alors ça va me plaire, c'est sûr. Oui, c'est très gourmand, très sucré. Donc, pour celles qui aiment les odeurs gourmandes et sucrées, la New Wave, elle va vous plaire. Les autres, je n'ai pas testé, mais la New Wave, sans problème. Alors, ça sent trop bon. Ah oui, j'adore. Et ensuite, pareil, de la marque Merci Andy, je me suis pris un gel antibactérien. Donc, j'ai pris Lollipop. Pareil, je crois qu'il décrivait une odeur gourmande et sucrée. Et comme je vais être. Bon, j'étais déjà au contact de la clientèle, mais là, je vais être encore plus au contact de la clientèle. Je me suis dit que voilà, un gel antibactérien, même si j'en ai encore beaucoup, parce que ma maman m'en avait ramené pas mal des États-Unis.
Voilà, je me dis que ça, c'est pas perdu. Donc, c'est un petit format comme ça. Et je crois que sur le site Birchbox, c'était vendu aux alentours des 3 euros, quelque chose comme ça. Ouais, c'est pareil. C'est une autre. Ouh là, attends, là, ça sort. Je vais mettre ça sur mes mains. C'est une odeur pareille. Assez sucrée, assez agréable. Voilà. Mais ça, les gels antibactériens, moi, j'en ai dans mon sac à main, dans le sac à langer. Il y en a un peu partout. Donc, c'est plutôt cool. Et ensuite, j'ai eu deux échantillons de la marque Herboris. Ah, je suis contente, c'est un gel contour des yeux. Ah, bah, nickel. Vous savez à quel point j'aime les gels contour des... enfin, les produits contour des yeux. Et ils m'ont mis deux échantillons comme ça. Et il a l'air plutôt sympa. Je sais pas si vous voyez. Ça fait un... On a l'impression que c'est une texture gel avec plein de petits grains à l'intérieur. Donc je testerai ça. Donc c'est des petits échantillons. Mais c'est toujours plutôt cool. Donc voilà. Donc autant vous dire, je suis très contente de ma Birchbox et surtout des commandes que j'ai pu faire. Donc il me reste encore pas mal de points. Donc je pense que je vais les consommer ben, à chaque fois que je verrai un produit sympa. Mais là, c'était vraiment l'occasion parce que les bougies Mr. Wonderful, je vous avoue, je ne les avais jamais vues. Donc bah, c'était l'occasion. Donc je vous mets mon lien de parrainage en barre d'infos. Après, vous l'utilisez, vous ne l'utilisez pas, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, si vous l'utilisez, sachez que vous récupérez donc 50 points, donc 5 euros à valoir sur le site. Et du coup, ça permet, enfin, si vous commandez le produit, vous faites livrer avec la Birchbox du mois suivant, de ne pas avoir de frais de port. Donc ça, par contre, c'est vraiment très très cool. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez reçu la vôtre, si vous en êtes satisfaite ou pas, si vous avez reçu les mêmes produits que moi ou pas, parce que moi je vous l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup beaucoup savoir ce que vous avez reçu. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais à tous et toutes de très très gros bisous, ciao!